Dans la région voisine, le centre se niche Apremont-sur-Allier. Un village au bord de l'eau, en plein cœur du Berry, dominé par son château du 15e siècle, ce bourg médiéval abrite un parc floral unique. C'est le poumon d'Apremont. Un village à 57 km de Bourges que vous avez classé en 20e position. La famille d'Elvire de Brissac est installée ici depuis 3 siècles. Les racines d'Elvire, elles sont là. Et ce village de 80 habitants, elle ne le quitterait pour rien au monde. Ce que j'aime ici, vous voyez, c'est d'abord qu'il y a une seule rue, qui est la rue principale. Et c'est l'uniformité des maisons, leur unité. Au Moyen Âge, ces maisons typiquement berrichonnes abritaient des mariniers, les conducteurs des bateaux. Ils acheminaient sur l'Allier la pierre de taille, extraite des nombreuses carrières d'Apremont. Ben voilà la maison des mariniers, qui est la plus ancienne maison d'Apremont. Comment allez-vous? Cette ancienne capitainerie est un lieu qui conserve le souvenir de ses activités d'antan. En face de cette maison, c'est l'ancienne place du village. Et les demeures qui l'entourent sont encore toutes habitées. Je crois que c'est notre doyenne. Ou est-ce que je me trompe? Et c'est la mémoire du village, parce qu'elle est là depuis 1949. Depuis qu'elle est ici, Madame Orfèvre a été témoin des moindres changements à Apremont. Moi, j'avais un pré autrefois, avec un âne dedans. Et puis, il a été transformé en cette merveille. Cette merveille, la voici, le parc floral. Un paysage bucolique de 5 hectares qui fait la joie des visiteurs depuis 1976. Elvire, c'est la propriétaire, et celui qui l'entretient chaque jour, c'est Tony, le chef jardinier. Bonjour Tony. Bonjour mademoiselle. Ça va? Tout va bien. Excusez-moi, je voulais juste vous demander un renseignement. J'ai perdu le nom de cette plante. La sauge russe. C'est la 3e fois qu'on revient. On est des fans d'Apremont. Ce jardin asymétrique, conçu à l'anglaise, est propice à l'évasion. Il vous entraînera même vers d'autres continents. C'est l'emblème d'Apremont. C'est le pont chinois. C'est des petites constructions légères qui faisaient rêver les gens qui ne voyageaient pas à l'époque. Une autre manière de découvrir Apremont, c'est de se balader au bord de l'Allier et pourquoi pas de faire du canoë. Les rives de l'Allier, c'est justement là où les habitants aiment se réunir. Et ce soir, on fête un anniversaire. Bon anniversaire, Jean ! Apremont ! Tout le monde se connaît, oui. Vous voulez quoi comme musique ? C'est une grande famille, en fait. C'est paisible, c'est tranquille, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau, quoi. On prend plein les yeux tout le temps. On est des privilégiés. Des privilèges que les 80 Apremontois vous feront volontiers partager.